êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, bonheur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. On est en direct ici, live from Montréal, les amis. Oh, petite voix. Ah, petite voix. Effectivement, on vient de finaliser, vous le savez, la première partie de notre tournée internationale qui s'appelle la tournée du Weekend Spark. C'était à Montréal. C'était durant 3 jours, un vendredi, un samedi, un dimanche. Et je peux vous dire que ma voix est le reflet de l'engagement que nous avions à vous servir durant 3 jours. C'était juste exceptionnel. Évidemment, celles et ceux qui ne me connaissent pas ou qui connaissent pas notre travail ou qui n'ont jamais participé à la moindre de nos formations ou coachings, c'est de quoi ils parlent, de c'est quoi cette histoire qu'il a la voix cassée. Une formation en général, tu t'assois, t'écoutes, t'as des slides et puis tu ressors et t'es content, tu t'es emmerdé. Ben là, en fait, c'est l'inverse, nous. C'est qu'on est à 110%. On est investi physiquement pendant 3 jours. Je voulais féliciter les hommes et les femmes qui ont vécu le Weekend Spark à Montréal. Oui, oui, je vais le faire. La plupart des gens, ça les intéresse pas, mais je m'adresse uniquement aux étudiants, aux gradués du Weekend Spark édition 2019 à Montréal. C'était incroyable cette atmosphère. J'aime évidemment aller en Europe et en Asie. En Asie, ce sont des séminaires privés, mais c'est public en Europe, notamment à Paris. C'est privé en Espagne et en Italie. Mais je voulais aussi vous dire que l'ambiance ici, où on a plus l'habitude, c'est vrai, notamment au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, globalement, on a plus l'habitude de travailler sur soi. Hein. Ça nous est arrivé, on est plus proche de la Californie. Hein. C'est arrivé dans les années 50, le développement personnel et le leadership, le travail de son leadership dans les années 50, notamment en Californie. C'est un doux mélange des sciences orientales et de la psychologie traditionnelle et ça a donné justement ce que vous connaissez aujourd'hui. Ce qui arrive, hein, moi j'ai commencé mes premières conférences en leadership, c'était il y a un peu plus de 15 à 16 ans en France. Alors à l'époque j'étais un ovni, mais maintenant ça y est, la vieille Europe est en train de se décrisper. Pour beaucoup de gens en Europe, tout n'est que secte, c'est formidable. Même à l'époque, je vous le disais, dans les années 50, le culturisme, le bodybuilding, c'était considéré comme une secte en France. C'est vraiment formidable. Alors, en tout cas, ce qu'on a vécu à Montréal, c'était, comme je vous le disais, avec des hommes et des femmes majoritairement habitués. Un, le Québec ici à Montréal, c'est l'authenticité. Si un jour vous avez la possibilité de faire du tourisme ici, venez faire du tourisme, vous allez adorer. Vous allez comprendre la grosse différence entre un Nord-Américain, notamment qui parle français, et puis en Europe, où on parle aussi français en France, en Suisse, en Belgique. Vous verrez un comportement complètement incroyable sur l'authenticité, la générosité, l'accueil. Et puis c'est dans cet état d'esprit que tous les participants sont entrés dans la salle à Weekend Spark Montréal avec, pour la plupart d'entre eux, un premier contact avec notre approche pédagogique. Et je peux vous dire que c'était assez incroyable. Si vous avez participé au Weekend Spark, que ce soit à Paris ou à Montréal, laissez des messages dans les commentaires pour celles et ceux qui disent « De quoi il parle ? Je ne vois pas de quoi il parle. » Aujourd'hui, dans ce Spark le show, on va revenir sur justement une thématique du Weekend Spark. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas pu venir au Weekend Spark à Montréal. À Paris, c'est fin avril, vous le savez, c'est dans 3 semaines. Il me tarde d'être à Paris aussi. Il faut que je soigne ma voix. Je voulais vous dire qu'à Paris, il ne reste que quelques places. Je crois que c'est juste en platine et en régulier. Le reste est méga complet. On offre un billet acheté, un billet offert encore pour quelques jours. Je crois c'est dans, je sais pas, c'est dans 4 jours, 3 jours la régie, c'est ça, oui. Jusqu'au 7 avril, c'est ça. Donc profitez-en. Mais en tout cas, je voulais vous dire aussi que dans ces événements-là, on ne fait pas que vous apprendre comme on le fait dans les mathématiques, ou prendre la parole en public, ou savoir utiliser une compétence.
on fait les choses. Et c'est ça qui est formidable. Et quand vous venez dans nos événements, vous ne pouvez pas vous attendre à cet impact immense. Je ne vois pas un seul des participants du Weekend Spark à Montréal, en tout cas, on fait faire des sondages, qui disait « je m'attendais exactement à ça ». Les gens sont toujours éblouis par la magie, et ça fait un peu peur, hein, le mot magie, par en tout cas les surprises qui se produisent durant le Weekend Spark, des coachings en direct de 30 à 40 minutes qui changent la vie des gens, des prises de conscience, des décisions fortes, apprendre sa psychologie, apprendre pourquoi est-ce qu'on prend toujours le même type de décision, apprendre à gérer ses peurs, de quelle façon on peut valser avec ses peurs, comment mieux communiquer dans son couple avec les autres au travail, ça c'est tout le samedi soir. On a aussi parlé d'un sujet tabou. On a parlé d'argent. Je sais que l'argent, alors là, l'argent, tout le monde va dire je vais avoir un comportement vilain ou de jugement parce que je manque d'argent. Mais officiellement, je dis que l'argent, j'en ai pas besoin. Alors ça, c'est formidable aussi parce qu'on parle d'argent dans le Weekend Spark. Je voulais absolument vous faire ce cadeau. Et on parle de marketing, de vente, de business, de développement de carrière. Et c'est marrant parce qu'il y a une dame qui m'a dit, Franck, moi, j'étais venu, alors véridique, hein. Franck, j'étais venu, et c'est une dame qui était en diamant, et avec lesquelles je mange notamment, pendant le Weekend Spark. Et elle me disait, Franck, c'est incroyable de voir à quel point j'étais venu pour la partie sur argent, business, développement de carrière et d'affaires. Je suis employé, je veux devenir salarié. Et j'étais vraiment heureuse de toutes les stratégies que tu nous as données durant la soirée. Mais je n'avais pas réalisé à quel point, même si on sait comment gagner de l'argent, éthiquement, et pour aider les autres, et de façon très, très noble, vous voyez ce que je veux dire, pas l'argent sale, eh bien, je n'avais pas conscience à quel point la technique pour gagner de l'argent, déjà, c'était des raccourcis que tu nous avais donnés, mais ce qui était encore plus important, c'était de garder le mindset, l'état d'esprit, la psychologie. Et tout ce qu'on a vu le vendredi, le samedi et le dimanche, notamment le vendredi, le samedi, sur la psychologie, elle me dit, mais moi j'ai 45 ans, c'est-à-dire qu'on ne m'avait jamais appris ça. Et elle en était à son deuxième mariage, qui commence à battre de l'aile. Et elle me dit, mais jamais j'avais... Et alors, évidemment, pour moi, la formation c'était cher, un livre c'est cher, et j'étais dans les clichés que tu disais, c'est-à-dire que je m'achetais des robes, je m'achetais des trucs, ça c'était pas cher, ou alors c'était cher mais je le faisais quand même, mais la formation, non, j'avais pas envie, parce que c'était beaucoup trop cher. Je ne voyais pas à quoi ça servait. Et elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas dit ça pour, quand tu parles dans Spark le Show du Weekend Spark, pourquoi tu ne donnes pas cette information-là? J'ai dit, c'est vrai que j'aurais pu donner cette information. Et c'est pour ça que je dis souvent, c'est vous qui parlez le mieux de nos événements. Parce qu'évidemment, les gens qui ne me connaissent pas ne voient que le côté, je vends des billets. Vous comprenez? Évidemment que je vends des billets. Hein, si vous voulez que je vous aide, il faut que vous soyez nos étudiants. Hein, tu peux pas être... alors les gens se bloquent là-dessus. Mais si vous saviez à quel point... On est fiers des événements qu'on vous propose. Ils sont uniques au monde. Uniques au monde. Et quand tu viens, tu dis, il disait la vérité, mais tu aurais dû dire ça. Alors, c'est pour ça qu'entrer en contact avec des gradués du Weekend Spark et laissez-les parler. Posez-leur des questions. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, je voulais faire une aparté sur le grand bravo, vraiment le grand, grand bravo à tous les participants du Weekend Spark de Montréal. Paris, je vous le dis, vous avez la pression. À Paris, vous serez issu de plus de 30, entre 28 et 31 pays à Paris, de par le monde. À Montréal, on avait des gens qui arrivaient de 10 pays à Montréal. Évidemment, il y avait des Européens. Alors, je leur ai dit, mais tu sais que le principe d'une tournée, c'est que c'est moi qui me déplace. Alors, non, on va faire les deux. On va faire Montréal et Paris. Ah bon, d'accord, très bien. Alors, on avait des Tahitiens aussi qui venaient. Hein. Ils passent pour venir à Montréal, ils passent par Los Angeles. Hein. C'est 5 heures Montréal, Los Angeles. Et ensuite, ils font Los Angeles-Tahiti, 8 heures d'avion. On avait des gens qui arrivaient du Mali, des gens qui arrivaient d'Asie. Enfin, en tout cas, c'était juste incroyable ce qui s'est passé. Et à Paris, vous serez une trentaine de pays dans le monde. Combien de temps il te faudrait pour rencontrer des gens pendant 3 jours, aussi incroyables que ça? Issu de 30 pays. Ben moi, je crois qu'il te faudrait quasiment 30 ans. Et là, en 3 jours, boum, tu rencontres des gens issus de 30 pays. Et je leur dis d'ailleurs au début du Weekend Spark, vous allez vous rencontrer vos amis pour les 10 prochaines années, ce qui est une expression. Et à la fin, ils disent, ben, en fait, c'était une expression au début, et puis maintenant, on comprend que c'est vrai. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Bon, et une nouvelle fois, Paris, je ne veux pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Vous allez avoir la pression. En termes d'énergie, vous aurez la pression, Paris. Notez dans les commentaires si vous avez un peu peur. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas dans quoi je vais tomber, j'ai un peu peur.
Et si vous devez savoir que chez moi, ça provoque de l'excitation, évidemment. J'adore ça, vous faire peur comme ça, c'est super. Vous allez adorer, vous allez adorer. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans Sparkle Show? Rapidement, vraiment rapidement, parce que je voulais absolument maintenir ces Sparkle Show entre les Weekend Spark, mais vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je voulais faire une émission rapide aujourd'hui sur une mise en bouche de ce que l'on voit dans le Weekend Spark et que malheureusement, beaucoup de gens qui n'y voient aucune valeur ne pourront pas vivre ou alors parce que ce n'est pas la bonne période dans leur vie. La première des choses, c'est la thématique de cette émission qui va revenir souvent dans le Weekend Spark, c'est comment casser la tristesse. De quelle façon aujourd'hui on peut rapidement déclencher des émotions positives? Vous me le dites souvent, Franck, pour toi la vie est belle. Pour toi la vie est simple. C'est parce que tu as de l'argent. Ou parce que tu es de couleur blanche, j'ai entendu souvent ça. Pas souvent, je l'ai entendu aussi. C'est ta couleur de peau, c'est pour ça que tu es heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que j'ai une peau un petit peu plus italienne, un peu plus méditerranéenne, c'est ça? J'ai la bronzée. C'est plus facile pour toi parce que tu as une femme et tu as des enfants. C'est plus facile pour toi parce que tu as quatre entreprises. Alors, c'est plus facile à gérer quatre entreprises qu'une seule. J'ai entendu beaucoup de choses. Alors, durant le Weekend Spark, je raconte mon histoire en détail et mon enfance, etc. Et c'est souvent très, très poignant parce que ça vient me rejoindre. Mais je peux vous dire que c'est jamais plus facile pour les autres. Et si j'ai complètement changé les paramètres de ma vie, et si je peux vous dire aujourd'hui devant la caméra que je suis un homme heureux, vraiment un homme heureux, je suis heureux, je suis super heureux, eh bien, c'est pas en me disant il y a quelques années, en ayant forgé l'homme que je suis aujourd'hui, et c'est un combat de plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on est fier 20-30 ans plus tard en disant je me suis battu pour devenir cet homme ou cette femme. Je me suis battu pour réussir mes études. Tu vois, je ne l'ai pas fait en une année. Ça fait médecine ou alors en 5 ans, 3 ans. Quand on se bat pendant des années, en gardant le cap, on est fier de soi. Et bien, je peux vous dire que jamais je suis devenu le Franck Nicolas que vous connaissez peut-être en ce moment ou pour la première fois. Le numéro 1 en termes de leadership et d'entrepreneurship dans le monde francophone notamment. Je peux vous dire que je ne me suis jamais dit à l'époque, c'est plus facile pour les autres. C'est-à-dire que dès que j'ai décidé, à l'époque, dès que j'ai déclenché mon intention de vouloir être un leader, de forger ce Franck Nicolas, eh bien, j'ai commencé à progresser quand j'ai cessé de dire, c'est plus facile pour les autres. Et notamment la partie, moi, qui venait me rejoindre beaucoup, je ne sais pas pour vous, hein, mais je suis très honnête dans ces Sparkle Show, c'est pas un format télé, c'est vraiment un format discussion. Ce qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est d'apprendre à gérer mes émotions. Je suis un fils d'Italien, élevé dans le sud de la France. Hein, et la France, c'est Feydeau, hein, le pièce de théâtre à la Feydeau, vous connaissez. C'est les portes qui claquent, Feydeau. Hein. Bah, ça arrive de France, hein, ça arrive pas de Suisse, tu vois. Donc, j'ai été élevé dans un environnement méditerranéen, très, très passionnel, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Bah, moi, j'étais un gars, ouf, au niveau des émotions, c'était difficile. Alors, long story short, pour vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces pour déclencher donc des émotions positives. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette émission « Casser les émotions et casser la tristesse ». Je dirais que il y a des gens autour de vous, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je le constate. Et puis ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier de coach à l'international, donc il faudrait être un petit peu stupide pour ne pas avoir des mêmes comportements un petit peu partout. Même si les cultures, les valeurs sont différentes selon les pays, mais on a tous le même système nerveux central, si tu veux. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y avait autour de moi deux types de personnalités, il y en a plein, mais notamment dans ce domaine des émotions. Il y a des gens qui voient, alors ça, je vais utiliser des termes qui vont vous parler, c'est sûr, il y a des gens qui voient le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Alors après, il y a des jeux de mots, moitié plein, un peu d'oxygène, ou les pessimistes, ils le voient comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est, j'ai pas de chance, je manque de chance, c'est plus facile pour les autres, et qu'est-ce que la vie est difficile? Et il y en a une autre personne qui va dire, finalement, j'ai eu de belles rencontres aujourd'hui, je vois ce qui va bien dans ma vie, je suis en pleine santé. Ou alors j'ai des enfants en pleine santé. Ou alors, je sais pas, j'ai mon chien qui est en pleine santé. Et ils trouvent toujours, ces personnes-là trouvent toujours une façon de sourire. Et ça m'intéresse. Alors évidemment, j'ai étudié ça pendant très longtemps et maintenant je l'enseigne. Mais avant de l'enseigner, vous avez bien une petite idée là-dessus, c'est que je l'ai mis en pratique dans ma vie. C'est-à-dire que 80% de toute réussite, c'est de la psychologie. Apprendre à investir en bourse,
Ouais, c'est 20%. La mécanique, pour investir dans l'immobilier, c'est 20%. Gérer des locataires, 80%. C'est la psychologie toujours le plus compliqué. De ne pas revendre ses actions alors que ça chute pendant 3 ans. Oh, ça, c'est de la psychologie. Et t'as pas perdu officiellement. Et la plupart des gens, alors que les crises reviennent tous les 5 ans, notamment en bourse, chutent. Psychologie, 9 investisseurs sur 10 en bourse, plus de 9 sur 10 en bourse perdent de l'argent. La plupart des gens qui gagnent de l'argent en bourse, il y en a deux types de catégories. C'est un petit bonus que je vous donne. Un, c'est des gens qui vendent des formations pour savoir comment faire de la bourse. Et deux, c'est des méga experts en bourse qui ne font que ça tous les jours et qui ont des contacts incroyables et qui remontent jusqu'aux entreprises dans lesquelles ils investissent. N'oubliez jamais ça, les gens qui gagnent le plus d'argent en bourse, le 1 sur 10 qui gagne de l'argent en bourse, il est soit un méga expert, ou soit c'est un formateur qui te dit comment gagner de l'argent en bourse et qui fait son argent comme ça principalement. Les amis, comment voir le verre à moitié plein et à moitié vide? Eh bien, de quelle façon est-ce qu'on peut être plus heureux et casser ce pessimisme? Eh bien, c'est notre façon de penser qui va modifier tout cela, c'est vrai. Mais j'aimerais dans ce Sparkle Show vous donner quelques astuces dont on va parler dans un instant juste après la pause. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. La réussite dans votre business, ce n'est jamais le hasard. En fait, Franck m'accompagne presque au quotidien. Après, ce n'est que de la psychologie. Tu crois ou pas dans ton projet, tu crois ou pas en toi. T'es gladiatrice ou tu l'es pas. Je pensais que j'étais pour faire faillite et puis là, cette année, ben, j'ai doublé mon chiffre d'affaires dans les 3 premiers trimestres. Tu connais ton marché ou pas? T'es sûr de ce que tu vas faire? T'embauches les bonnes personnes, du leadership, tu les encadres, tu les formes, tu les accompagnes, tu les pousses, tu les motives, tu prends les bons vendeurs. Par rapport à l'année dernière, eh bien, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Wow. Voilà, et je suis partie d'affaires. J'ai fait grandir l'entreprise avec un chiffre d'affaires qui dépasse le million. Allez chercher ce qui vous revient. Augmentez votre ambition. Voyez grand. C'est ça le discours du programme 110. On veut augmenter notre valeur, nos compétences, nos habilités pour redonner et pour faire booster notre business. On veut des affaires épanouissantes, utiles pour la communauté et pour nous aussi. Vous cherchez une stratégie pour mieux convaincre les autres? On a une solution. Vous voulez augmenter votre engagement? Le programme 110 va vous proposer cela. Les grandes entreprises ont investi 1,5 million de dollars pour le même type d'information que je vais vous dévoiler chaque mois, chaque semaine. Si vous voulez vivre votre style de vie, je vais vous aider. Si vous voulez devenir inarrêtable, unstoppable, comme on dit en anglais, dans votre carrière. Si vous voulez devenir multimillionnaire, devinez quoi? Je vais vous aider. Vouloir une chose, c'est chouette, c'est formidable, j'achète, génial. Mais désormais, vous avez besoin d'informations pour apprendre à rester à ce niveau d'engagement 110%. Déménage, il t'envoie au 7e salle, tu vois, j'ai des frissons quand j'en parle. Au grand cœur, et ça se voit qu'il est généreux. Il est généreux dans tout. Tu peux pas imaginer qu'en 3 jours on ait fait autant d'heures de formation et que le gars il saute encore comme un dingue et qu'il arrive à nous faire sauter comme un dingue. C'est une puissance à l'état pur. Quand vous cherchez un salaire, vous avez déjà perdu. Quand vous cherchez une carrière, vous avez tout gagné. Je repars avec une nouvelle énergie de remonter ma société réellement et de repartir avec de bonnes bases, reprendre toute cette énergie et enlever tous les blocages que j'ai. C'est un pur bonheur de passer cette soirée avec vous. Un gros poutou à Franck, merci, et grâce à toi, demain, j'ai une nouvelle vie.
une nouvelle optique, un nouveau sens, des vraies raisons. Ça donne envie d'avancer. Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, Spark le Show, on est de retour ici en direct dans les studios de Globe à Montréal. Je vous rappelle que Spark le Show, c'est la première émission francophone consacrée au leadership, au développement personnel. C'est ici, tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Vous retrouvez SoundCloud aussi en version audio. Spark le Show sera et donc sur SoundCloud. Vous pouvez le télécharger, l'écouter quand vous voulez. Vous l'avez aussi dans l'environnement Apple, sur iTunes. Et puis, vous avez Spark le Show aussi en rediffusion, en version vidéo sur YouTube et sur Facebook. Qu'est-ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Comment casser la tristesse? Précisément, on va focaliser sur de quelle façon est-ce qu'on peut déclencher les émotions positives. Et c'est ça qui nous intéresse. J'aimerais vous donner, si vous voulez, des exercices rapides à faire aujourd'hui. Peut-être qui est même complémentaire de ce que l'on voit dans Wes. Et surtout, grand public, je vais vous donner des astuces aujourd'hui très simples à mettre en pratique. Si vous ne connaissez pas un travail en termes de coaching sur vous-même ou sur votre psychologie de leader, vous n'allez pas avoir le sentiment que ce sont de bons exercices et que ce sera efficace et puissant. En revanche, si vous avez commencé à avoir une certaine maturité en termes de psychologie de leadership et que vous avez peut-être aussi déjà suivi nos programmes ou vous me suivez depuis longtemps, et il y a de grandes chances que vous mettiez justement en pratique les outils que je vais vous donner maintenant, et notamment des exercices. C'est plus que des outils, c'est des exercices. Les outils, je n'ai pas le temps dans Spark le Show, il faut que je les explique. Plutôt des exercices, vous faites ou vous ne faites pas. Si vous êtes plus malheureux, plus malheureuse avec ces exercices, eh bien vous ne les faites plus. Vous avez vu, c'est simple, hein, et en plus ça aurait été gratuit. Bon, c'est formidable. Première des choses, je crois que pour casser la tristesse, vous allez être d'accord avec moi, il faut de facto se sentir heureux. Vous devez vous sentir plus heureux et heureuse dans votre quotidien. La plupart d'entre vous, je vais utiliser des mots très émotifs, mais vous passez des journées de cul. C'est des journées de cul sur le plan émotif, je suis désolé. C'est-à-dire que vous partez le matin en courant au travail, vous revenez le soir épuisé, puis vous essayez d'attraper le métro, le transport en commun le plus rapide, le plus proche, file d'attente, hiver, les virus, les machins, le travail, les conflits, les désaccords ou les inimitiés. Quand vous êtes là depuis longtemps hein, dans une entreprise, il peut y avoir des inimitiés qui se créent, qui se soudent comme ça. Et finalement, on n'a pas des belles journées. Donc la première des choses, c'est qu'il faut trouver des astuces, je ne sais pas si vous me suivez, mais pour booster votre humeur. Il va falloir trouver des astuces pour booster votre humeur. Alors, il y a plusieurs astuces pour faire ça. La première des choses, d'abord, elle est en termes de nutrition. Faites en sorte de mieux manger. La nutrition, on en parle dans nos programmes. Le Weekend Spark à Montréal, on avait Gaëtan Brouillard, qui est un chercheur incroyable. Et à Paris, on aura le docteur Frédéric Salman. Le docteur Frédéric Salman, quand il sort un livre, c'est minimum 5-6 millions d'exemplaires qui sortent et qui sont vite vendus sur le marché. Pourquoi? Parce que hormis le fait que c'est un médecin français qui est consulté par la plupart des stars de ce monde, même si ses tarifs ne sont pas plus élevés puisqu'il est conventionné, il faut un an, si tu n'as pas de référence, pour rencontrer cet homme. Et en plus, le fait qu'il soit vraiment un succès, avec un succès immense, c'est un homme qui est dans tous les médias, puisque c'est un communicant, c'est un entrepreneur aussi. C'est un bel exemple pour nous. Et donc, il fait la promotion de ses livres qui lui permettent ensuite de développer ses différents business. Il en a d'autres. Et donc, le côté entrepreneur, un exemple incroyable. Le côté passionnant son métier au service des autres. Et ce que j'aime chez cet homme aussi, c'est que c'est un chercheur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un qui soigne, enfin, c'est déjà très bien, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que en plus, c'est quelqu'un qui est un précurseur, c'est ça que je veux dire. Il a démontré que mourir avant l'âge de 150 ans, c'était prématuré. Il a démontré qu'une femme qui a une meilleure hygiène de vie peut repousser la ménopause jusqu'à 7 ans. C'est-à-dire que c'est incroyable ce qu'il a créé cet homme.
Et il fait des livres grand public, vraiment à un prix dérisoire, accessible à tout le monde. Et il sera là le dimanche matin, au Weekend Spark à Paris. Donc vous verrez que le dimanche matin, la santé, pour vous les étudiants du Weekend Spark, vous allez rembourser juste le dimanche matin 10 fois l'investissement que vous aurez payé pour un billet, par exemple. C'est juste incroyable. Cet homme, il vous faut un an pour le rencontrer. Et si tu as la patience, ben il sera là le dimanche matin, il va se déplacer, il va nous accorder de son temps toute la matinée au Weekend Spark à Paris. Donc, un, c'est la santé. Prenez soin de votre santé et la nutrition notamment. Donc, peut-être que ça ne vous parle pas, mais faites en sorte de mieux manger et travaillez, achetez des livres, renseignez-vous, formez-vous, rencontrez des médecins compétents ou des professionnels de la santé compétents. Travaillez sur votre santé. Pourquoi ? Parce que la nourriture a un impact direct sur notamment ton énergie. Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie ? La digestion. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir de l'énergie ? C'est le manque d'oxygène. Qu'est-ce qui apporte de l'oxygène dans les cellules ? C'est les globules rouges. Ouais, mais y a un problème. Souvent, on mange mal. Donc, y a une mauvaise oxygénation des globules rouges. Et ce qui fait que tu es fatigué, c'est le manque d'oxygène dans le corps. Et après, tu as évidemment la glycémie qui embarque. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Il y a l'insuline qui prend le relais aussi, qui pète dans les compteurs. Et tout ça, vous devez l'apprendre pour ne pas reproduire les mêmes bêtises et dire finalement, je suis fatigué parce que je suis nul dans la vie. Mais toutes les fois où tu t'es auto-saboté, c'est parce que tu n'avais pas les connaissances. Parce que si tu savais pourquoi dans un instant, tu vas manquer d'énergie, et parce que tu as appris à te connaître, tu sais que quand tu manques d'énergie, en plus tu vas t'auto-saboter, en plus tu ne croiras pas en toi, tu vas te dire waouh, c'est pas une question de croire en moi, c'est une question de gestion numéro un de mon énergie. Oh, et je te le souhaite d'apprendre à gérer ton énergie. L'autre point qui est intéressant aussi pour se sentir heureux, c'est qu'il va falloir apprendre à utiliser des fois des comportements un peu forcés, et ça peut faire sourire, d'ailleurs on va en parler. Mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui déclenchent la plupart du temps eux-mêmes par le corps leur déprime. Et on veut casser la déprime. Et la meilleure façon de casser la déprime, c'est notamment dans des moments où tu sens qu'il y a du vague à l'âme. Une deuxième astuce après la nutrition, l'oxygénation, l'énergie, on en a parlé, c'est de ne pas souvent baisser la tête dans ces moments-là. Lève la tête. Numéro un, lève la tête. C'est plus difficile pour ton mental d'avoir une émotion très négative qui prend de l'ampleur si tu as le visage levé. Ça paraît futile, hein ? Si tu souris, par exemple, comme ça. Je ne te parle pas de faire un sourire comme ça. Tu es en gros plan, là ? Oui, c'est bon. Tu vois, comme ça. Ouais, Franck m'a dit de sourire. Voilà, ça ne marche pas. Tu vois, pendant... Alors, pas pendant deux heures, tu vois. Il y en a qui dit, je suis resté pendant une heure, j'avais mal à la bouche. Mais non, c'est pas, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est 20 secondes, par exemple. Tu vois, comme ça. Je vais le faire. Il y a des gens qui écoutent les versions audio. Il dit, il est parti, donc je vais arrêter. Mais tu vois, et tu as les yeux aussi, tu as les sourcils qui bougent. Tu es vraiment dans une attitude comme si tu souriais. Et le cerveau, il ne comprend pas. Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ça va sécréter certaines hormones et ça va casser ta déprime. Alors, plus la nourriture et plus tout ce que je vais te dire. Mais les exercices que je vous donne maintenant, avant un rendez-vous, avant de vous coucher, en vous levant le matin, quand vous êtes dans des périodes de vague à l'âme, tous ces exercices vous aident. Allez, je continue, ça vous intéresse ? Oui, on y va ? Notez-moi dans les commentaires si ce type d'astuce pratico-pratique vous intéresse. Et sinon, vous me dites de j'arrête et puis j'arrête de parler. Sinon, partagez aussi, s'il vous plaît, partagez cette émission. Il y a fort à parier qu'elle aide beaucoup de gens aussi qui ont besoin d'un bon coup de pouce dans cette période difficile. Et vous regardez les médias, peut-être encore vous, moi je ne les regarde pas. Je suis juste un peu au courant. Hein. Je n'ai pas les news et les nouvelles en intraveineuse dans les bras, mais il y a beaucoup de souffrance en ce moment. La deuxième astuce aussi, alors ça c'est intéressant aussi, c'est de brûler vos regrets. C'est un exercice que je fais dans certaines de mes retraites avec des entrepreneurs. Et je voulais vous donner cette astuce parce qu'elle fonctionne très bien. Alors hors du contexte, vous auriez besoin d'explications, mais à vous de voir ça va ou pas. Ça s'additionne. Hein. Et puis il y en a certains qui vont dire, il y a cet exercice qui fonctionne bien chez moi et un peu moins l'autre. Mais brûlez vos regrets. C'est-à-dire que lorsque vous avez pris une mauvaise décision, par exemple, je donne un exemple, et vous regrettez,
eh bien, vous pouvez noter la mauvaise décision qui a été prise. Vous pouvez l'inscrire sur un papier. Et rien que le fait que de l'externaliser, déjà, ça vous aide à casser la déprime. C'est le fait d'intérioriser qui vous rend malheureux. Souvent, de ruminer. Et les femmes sont très fortes pour ça. Autant l'homme, il arrive à couper un peu lorsqu'il arrive à la maison. Mais la femme, elle a un cerveau qui est ainsi fait, ça tourne en permanence. Donc ça marche encore plus avec les femmes. Vous écrivez ça sur une feuille et vous mettez ça dans une enveloppe et vous la brûlez. Alors si tu ne peux pas la brûler, vous la déchirez par exemple. Et ça fonctionne très bien. Et ça, ce n'est pas uniquement, tu vois, chez Disney, « Oh, la conte de fées, j'adore ça, ah, ça va être génial, ah oui, c'est bien, on s'aime tous. » Non, il y a vraiment eu des recherches qui ont été faites là-dessus, notamment dans une université, dans l'Université nationale Business School à Singapour. Et c'est le chercheur Gyoping Lee qui a démontré cela avec plusieurs groupes qui se sentaient vraiment soulagés après avoir brûlé ou déchiré cette enveloppe sur laquelle ils avaient inscrit ce qui leur pesait sur le cœur et notamment en l'occurrence de mauvaises décisions et des regrets. Donc, autre point aussi, autre astuce, c'est de, alors ça, durant le Weekend Spark, ça on en parle, vous le verrez à Paris et vous dites qu'est-ce qu'il vient de faire là, vous verrez pourquoi. Montréal, ils savent exactement de quoi je parle. Mais à Paris, on va le faire aussi ça. Et on va le mettre en pratique, mais pour vous qui n'accordez pas trop d'importance à nos formations ou qui ne les connaissez pas, l'un ou l'autre, c'est que j'aimerais vous donner cette astuce. Retenez ceci, refusez de négocier avec votre mental. On ne négocie pas avec son mental. Il y a des gens qui vont dire, mais t'as pas compris, t'as fumé ou quoi, le mental c'est moi, je peux pas, comment ça je négocie pas avec moi. Eh bien, vous n'êtes pas vos pensées dans l'instant. Voilà pourquoi parfois on dit de vilains mots à l'autre et on casse un couple. Mais dans l'instant, c'était pas nous, on était vraiment sortis de nos gonds. Quand vous êtes bourré, quand vous êtes sous alcool, là c'est vous. Il a le vin mauvais, parce que dans la vie il est comme ça. Il se retient dans la vie, il est inhibé dans la vie. Il rit sans arrêt, parce que dans la vie, il essaie de jouer au sérieux, mais dans la vraie vie, il rigolerait. L'alcool, retenez ceci, passez-le dans les médias sociaux, dévoile qui vous êtes vraiment. Pourquoi ? L'alcool enlève l'inhibition en 45 minutes. Formidable, non ? Je ne te demande pas de bourrer ta grand-mère pour savoir où est-ce qu'elle a caché le coffre-fort, non, non. Ou alors ton petit ami pour savoir si c'est un vrai mec sympa, avec des belles valeurs, chouette, et tu vas le bourrer. Non, 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 vous n'utilisez pas ça comme technique. Il y a de techniques pour savoir qui fait quoi et qui est qui. Mais l'alcool dévoile. Eh oui, les amis, réveillez-vous un petit peu. C'était pas moi, c'était toi. Et vraiment toi. Une partie de toi, mais je peux te dire que c'était vraiment toi. Refuser de négocier avec votre mental, ça veut dire aussi que il y a un moment donné, notre cerveau reptilien, pour faire court, va revenir sur des habitudes qui remontent parfois à l'enfance, où vous avez déjà modélisé à l'époque vos parents. Et vous ne voulez pas continuer à vivre comme ça. Vous ne voulez pas continuer à modéliser vos parents. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. À moins que tu aies envie de vivre exactement la même vie que tes parents. Les finances, les relations, la communication, le couple, le travail, l'épanouissement, le bonheur, dans ce cas-là, si tout cela te convient, applique les mêmes modèles. Mais sinon, je t'engage peut-être à travailler sur toi et te dire, tiens, finalement, mais ça ne me ressemble pas, ça, ce que dit ma mère ou mon père dans ce domaine-là. J'ai peut-être envie de travailler autre chose. Mais si tu ne travailles pas sur toi, tu vas avoir dans l'instant ton mental qui va te dire, je suis fatigué. Mais tu n'es pas fatigué. Les participants au Weekend Spark, ils arrivent, ils sont fatigués. Ils repartent, ils ont de l'énergie. Est-ce qu'ils mangent beaucoup pendant 3 jours ? Non. Pourquoi ? Il y a une vraie technologie derrière. Est-ce qu'ils dorment beaucoup pendant 3 jours ? Non plus. Pourquoi ? Il y a une technologie derrière. On vous donne des stratégies, on vous les donne et on les fait ensemble et le dimanche soir, vous repartez transformé. Transformé. J'ai mes équipes ici, parce que je ne suis pas dans les studios de Globe toute la journée, en fait. C'est les studios de production ici. Et il y a l'une de mes collaboratrices, c'est qui m'a dit ça ? C'est Cécile qui m'a dit ça. Elle m'a dit, il y a un couple à Montréal qui est venu au Weekend Spark un peu grincheux, limite un peu agressif. Oui, bon, bah, voilà, ça peut arriver. Hein. Mais limite un peu, vous voyez, pas évident. On sentait qu'il y avait une charge lourde émotive. Elle me dit, rien que le lendemain, ils se faisaient des bisous tous les deux. Et avec nous, ils nous prenaient dans les bras, ils nous faisaient des accolades, ils riaient, ils étaient adorables. Mais c'est ça la magie. Une fois que vous apprenez
un petit peu plus qui guide vos forces intérieures, votre psychologie, vos choix, vous êtes beaucoup moins stressé. Donc, ne négociez pas avec votre mental. Et durant West Paris, vous verrez que j'en ai parlé dans Spark le Show et on va le détailler ensemble. Il y a un autre point qui est important aussi, c'est la magie des muscles. Alors ça, on le fait durant le Weekend Spark aussi. Faites en sorte parfois d'utiliser vos muscles pour vous mettre en mouvement. Et ça encore, c'est à Singapour qu'on a prouvé ça, c'est qu'on peut augmenter notre volonté en mettant simplement nos muscles en tension. Je répète, vous pouvez notamment augmenter votre volonté en mettant vos muscles sous tension. Une nouvelle fois, on est dans une émission, c'est très, j'ai pas 3 heures avec vous, même si des fois je fais un peu plus que 30 minutes. Mais la prochaine fois que vous vous sentez épuisé, où vous avez une volonté qui est dans les chaussures, essayez par exemple de contracter vos biceps, de contracter vos bras, de vous mettre en tension. Vous voyez ? Ah ! Et vous le, alors là, en version radio, tu devais savoir que j'ai montré mes biceps immenses. Immenses ! Non, avec l'âge, malheureusement, il demande un petit peu de fil à retordre. C'est un peu moins simple qu'à l'époque. Ah, il y a un peu moins de souplesse qu'il y a 2 ans, quand j'avais 22. Non, c'est vrai, c'est un peu moins facile maintenant, je sens mes 24 ans. Donc, pensez à la magie des muscles, évidemment, je vous en parlerai durant le Weekend Spark. On fait une autre pause et puis on se retrouve avec d'autres astuces. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Je vais vous faire une confession. Le Weekend Spark, c'est pour moi la totalité de ce que j'ai appris toute ma vie dans les sciences de leadership, les sciences cognitives et l'entrepreneurship. Alors je vais vous faire une promesse qui est très simple. Si ce soir, à la fin de la première journée, vous n'êtes pas intimement convaincu que ce Weekend Spark va ajouter immensément de la valeur pour vous, et sans flagornerie, très honnêtement, un « waouh », c'est juste un petit « bof », vous allez au fond de la salle et on vous rembourse. Voilà ce que vous allez faire ce soir et à minuit, parce que vous le savez, chez Globe, on est heureux d'être ici et on fait en sorte que chaque personne évolue. Vous êtes arrivé ici vendredi et je vous avais promis de me donner à 110% pour vous. Je vous avais promis un programme exemplaire, plein de surprises et d'une richesse incroyable. Je vous ai même rappelé que vous pouviez vous faire rembourser. Maintenant, si vous avez le sentiment que j'ai livré la marchandise avec mon équipe et que Wes est à la hauteur de ce qu'on vous avait dit, faites-moi un oui inconditionnel et faites-moi exploser la salle! Allez chercher ce qui vous revient. Augmentez votre ambition, voyez grand. C'est ça le discours du programme 110. On veut augmenter notre valeur, nos compétences, nos habilités pour redonner et pour faire booster notre business. On veut des affaires épanouissantes, utiles pour la communauté et pour nous aussi. Vous cherchez une stratégie pour mieux convaincre les autres ? On a une solution. Vous voulez augmenter votre engagement ? Le programme 110 va vous proposer cela. Les grandes entreprises ont investi $500,000 pour le même type d'information que je vais vous dévoiler chaque mois, chaque semaine. Si vous voulez vivre votre style de vie, je vais vous aider. Si vous voulez devenir inarrêtable, unstoppable, comme on dit en anglais, dans votre carrière. Si vous voulez devenir multimillionnaire, devinez quoi ? Je vais vous aider. Vouloir une chose, c'est chouette, c'est formidable, j'achète, génial. Mais désormais, vous avez besoin d'informations pour apprendre à rester à ce niveau d'engagement 110%. Mais je suis en train de me révéler à moi-même et je me rends compte que le sourire que j'ai à l'intérieur qui se cache depuis toujours, mais il est là à fond, à fond, à fond.
C'est pas de la magie parce qu'on est là, on fait le coaching, on est présent, on se donne à fond. Et puis tous les partages avec l'énergie, on embrasse les autres, on dit merci, on se rencontre, on se regarde sans jugement, on enlève les masques, c'est vraiment ça. Je suis vide. Je me sens vide. Et j'ai vécu les choses, c'est même pas du 110%, je crois que je me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai ressenti chez lui un amour réel et vraiment une compassion réelle. Et donc j'ai vraiment ressenti la main de Franck m'accompagner dans ma souffrance pour me relever. Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Comment casser la tristesse et plus précisément savoir déclencher les émotions positives? On en parle aujourd'hui dans Sparkle Show. Vous le savez, c'est tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Vous l'avez sur SoundCloud, sur iTunes, sur YouTube et sur notre page Facebook. On est en train de voir des astuces, des petits exercices qui vont les uns avec les autres venir casser notre tristesse qui parfois... On a tendance à dire c'est plus fort que moi, mais en fait vous la déclenchez vous-même, cette tristesse, ce vague à l'âme, sans vous en apercevoir, puisque ça vous tient à la peau depuis la naissance, depuis l'enfance notamment. Alors il y a un point qui me paraît intéressant pour casser la tristesse aussi, c'est de vous mettre en mouvement très rapidement. Vous êtes dans une situation par exemple où vous commencez à avoir du noir, hein, le ciel s'assombrit. Alors, j'aurais tendance à dire hommes et femmes confondus. La façon d'y parvenir, la stratégie d'un homme est différente de celle d'une femme, on en parlera à Wes. Mais la finalité, c'est qu'on déprime et on doute de soi. Et en plus, vous savez qu'on a le cliché de la dame, de la femme qui a une fois par mois le cycle hormonal, les règles. Mais l'homme, il a ses règles tous les jours, lui. C'est beaucoup plus simple. Ah oui, oui, attendez, on parle souvent des femmes, c'est extrêmement tabou comme sujet. Mais un homme, il fait ses règles tous les jours, lui aussi. La femme, c'est une fois par mois. Mais je peux dire que les hommes sont plus fragiles, sensibles et émotifs que la plupart des femmes. C'est extrêmement tabou, ce que je suis en train de dire. On croit qu'un homme, c'est rude, pas de problème d'émotion, toujours... Mais c'est faux, c'est archi faux, mesdames. Vous le savez, celles qui ont vécu longtemps avec un homme ou qui sont avec un homme. Vous avez appris à négocier avec votre gars. Il n'y a pas que les femmes qui ont ce vague à l'âme. C'est une idée reçue. On en parlera aussi le samedi soir dans les relations. Mais bougez vite et maintenant. Atelier rapide. Boum, exercice à mettre en place. Donc comme je le disais, tu sens que ça tombe, l'énergie. C'est souvent le soir. Hein. Quand vous êtes en... Alors, il y en a certains qui ont tendance à se défouler en plus. J'en ai marre de la vie, c'est pas possible. Et c'est souvent le soir après 19-20 heures. C'est après 19-20 heures que t'écris des conneries, chérie, monsieur ou madame. C'est après 19-20 heures que tu fais des conneries. C'est le moment où tu prends de mauvaises décisions, où t'écris des conneries. Je peux pas, je suis nul, j'arriverai pas, je suis un mauvais gars, je suis une mauvaise fille. Ah, je vous assure que les messages privés de Globe, vous les relisez. Et toutes les fois où les gens dépriment, parce qu'ils se disent qu'on ne les lit pas, mais on a une équipe qui regarde quand même. C'est assez amusant. Mais c'est toujours en fin de journée, dans les moments de basse énergie. Et c'est un défouloir. Et ça, vous pouvez le contrôler. Non, il n'y a que comme ça que je peux aller mieux. C'est en étant victime, en disant que je suis une grosse nulle. Alors ça, c'est amusant aussi. Parce que au Weekend Spark, tu l'auras plus de réflexe, je peux te le dire. Bougez maintenant. Dès que vous sentez qu'il y a le vague à l'âme qui arrive, tu prends ta paire de chaussures. Non, mais parce que il fait moins 30 dehors. Prends ta paire de chaussures maintenant. Non, mais d'accord, je ne le ferai plus. T'es sûr? Non, je ne le ferai plus. Ou alors, je le ferai, mais quand tu ne seras pas là. Prends ta paire de chaussures. Et mets-toi à marcher vite dehors. 15 minutes. Oh ben non, je ne peux pas faire du sport. Ben, tu marches lentement. Ben, je n'ai pas d'argent. Tu marches lentement. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une question d'argent, ça. T'as deux jambes peut-être? Oui. Bah t'es un chanceux parce que t'en as qui en ont qu'une, tu vois, ou qui en ont pas. T'en as deux. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, j'ai de la chance parce que je suis en vie. Hein? C'est normal d'être en vie. Et alors, dans notre tête, on est vraiment dans un truc de fou, tu vois. Alors, partage cette émission
sur tes médias sociaux à des gens qui sont vraiment dans ce vague-là, mais qui ont besoin d'un bon coup de pouce. Mais je vous dis un truc. Quand c'est comme ça, vous vous mettez en mouvement. Donc, autre astuce, bougez maintenant et vite. Retenez ceci, autre astuce, vous bougez maintenant et vite. C'est un exercice à mettre en pratique immédiatement. T'as pas besoin d'un MBA ou d'un doctorat pour ça. Tu vois ? Et t'as pas besoin d'être multimilliardaire. Oui, parce que pour avoir de l'argent, il faut pas de l'argent. Il faut de la bonne psychologie, il faut du courage. Ça, c'est un immense tabou aussi, tu vois ? Mais c'est plus facile pour toi. Je sais, c'est toujours plus facile pour les autres. Mettez-vous en mouvement et bougez vite maintenant. Right now. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous. Tiens, je vais lire. Notez-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous savez que je ne le fais pas assez, ça. Je devrais plus regarder les commentaires. Je m'intéresse à ce que je vous dis, finalement. Ce n'est pas plus mal non plus. Mais notez-moi dans les commentaires toutes les fois où vous avez déprimé. Toutes les fois où tu as dit des vilaines choses sur toi. Ah oui, parce qu'on se dit les pires saloperies à nous-mêmes qu'on n'oserait même pas dire aux autres, tu sais. Ah ouais, non, c'est formidable. Notez dans les commentaires les ci-dessous, pas juste dessous, les moments où tu déprimais, dans quel moment, est-ce que j'ai raison ou pas ? Est-ce que c'était après une bonne nuit de sommeil, après une bonne séance de sport, du soleil, tu as bien mangé un bon jus d'orange avec de l'énergie, de la vitamine C, et là tu t'es dit, ça alors, je suis trop heureux, je vais déprimer. Oh là là, non, note-moi, sois honnête avec moi, je veux que tu aies un déclic, je veux pas que cette émission soit juste un one-man show, je veux vraiment que ça t'aide, tu comprends, parce que honnêtement, j'ai beaucoup de choses à faire, tu peux l'imaginer. C'est ceux qui me connaissent pas, disent, il est sympa ce blogueur amateur, mais faites en sorte de noter, je veux que ce soit efficace, blague mise à part, notez-moi ça. Il y a à peine 30 minutes, me dit Liliana, bon, très bien, ça va bien, il est que là pour vous en Europe. Ah ben oui, voilà. Ça c'est le cas concret. Attendez, laissez-moi voir. J'ai tous les pays ici. Laisse-moi voir ça. Voilà, donc Vancouver, il est 10h48. Hein, nos amis du Canada, Vancouver. Il est 10h48 du matin. Et Paris, il est 19h49. Enfin, 48-49. Pékin, 1h49 du matin. Ils ne sont pas encore réveillés. Miami, chez moi, 13h49 aussi. Bon. Vous voyez, il est 20h à peu près pour vous en Europe en ce moment. C'est maintenant que tu vas commencer à partir en sucette, chérie. Mais c'est-à-dire que tu t'es pas posé la question pourquoi le matin, tu es un héros et le soir, un zéro. Tu es la même personne. Le matin, c'est « Come on !» Le soir, tu n'y arriverai pas, il va bosser. Tu es la même personne, c'est toi. C'est que tu n'as juste jamais appris à gérer tes émotions. Oui, mais je ne peux pas payer pour apprendre à gérer mes émotions. Je paye pour mon iPhone, je paye pour mon téléphone cellulaire Android, mais je ne peux pas dépenser de l'argent autre chose que pour mes talons aiguilles, enfin, pour ma Rolex. Hein ? Non, moi j'aime bien dépenser de l'argent au cinéma, etc. Mais payer pour une formation ? Mais à quoi ça sert ? Ça sert que tu perds des millions d'heures. Chaque année, alors il n'y en a pas des millions, hein, mais dans ta vie, des milliards d'heures par seconde, tu perds. Et pas mal cette expression, des milliards d'heures par seconde, c'est bien ça. Ben, t'as compris l'image ? C'est que tu perds trop de temps, beaucoup trop de temps, parce que tu ne te connais pas. Comment tu veux changer de carrière et te mettre de l'avant si tu ne te connais pas ? Et comment tu veux développer un business et réussir ? Parce que 9 entreprises sur 10, comme en bourse d'ailleurs, se plantent en 10 ans. Et comment tu veux réussir dans ton couple si tu fous en l'air ton couple en permanence? Tu es insupportable. Tu t'en aperçois pas que tu es insupportable et que tu fais chier tout le monde? Et émotion. Même toi, tu t'insupportes, il y a des moments. Et après, vous dites, c'est le pays dans lequel j'habite. Trop négatif. Non. Si je réussis pas, bah ça c'est mes parents. Hein. Bah oui, c'est à cause d'eux. Hein. Bah non, je vis plus avec eux, mais c'est à cause d'eux quand même. Bah attends, non, c'est les riches. Regarde, ils défiscalisent. Moi, je peux pas gagner de l'argent, c'est à cause d'eux. Non, t'as vu le premier ministre qu'on a au Canada ? Non mais t'as vu ? Une cuillère en or dans la bouche, le gars, il est enfance de bourgeois, etc. Il connaît quoi de la vie, lui ? Et... Ah non, c'est la faute de mon président. Ah non, c'est mon président. Ah, il est trop jeune, trop vieux, trop petit, trop grand, trop à gauche, trop à droite, trop incliné, trop... C'est pas ma faute, vous comprenez. Je ne suis qu'une victime. Et je le crois vraiment. Et vous savez quoi? Dans 10 ans, même quand ça aura changé d'environnement, d'économie, de président, je serai aussi dans la même situation.
je serai toujours victime. Si vous n'avez pas compris que ce qui vous coûte vraiment de l'argent et de l'amour et du temps, c'est de ne pas savoir, vous arrêterez de dire que les connaissances, c'est cher. Quand on n'a pas de connaissances, ça nous coûte une fortune dans tout. Et je peux vous dire et vous assurer, pour le faire depuis 20 ans, ce métier, et avec beaucoup de simplicité en t-shirt, c'est de vous dire que 80% de votre réussite, c'est dans votre tête. Affaires, relations, carrière, amour, émotion, psychologie. Travaillez votre psychologie. Il y avait d'autres... une dernière astuce pour vous aider encore, c'est dans les moments où vous déprimez, vous avez tendance à vous isoler. Écrivez ceci. Dans les moments où je déprime, j'ai tendance à m'isoler. Vous déprimez, vous refusez de vous isoler. Vous déprimez, vous refusez de vous isoler. Les gens qui disent « j'aime pas comme touche hein. », personne. Hein. Les gens qui disent « ah ben moi, non, moi j'aime pas les gens, moi. » Il y a eu un choc. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Ah non, mais c'est un choix si je suis célibataire depuis 53 ans. C'est un choix, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que c'est un choix de ne plus souffrir plutôt? Ou de ne plus être déçu? Et dans ce cas-là, il faut que tu travailles ton leadership, ta psychologie pour voir les choses autrement. Il y a des gens qui se prennent une claque et qui n'aiment plus les êtres humains. Il y a des gens qui se prennent une claque et qui disent bah, « je vais éviter cette situation, mais j'ai toujours confiance en l'autre et je vais chercher d'autres personnes avec qui je serai heureuse ou en affaires, en business, en tant que salarié ou en tant que... » Mais il y a des gens qui sont aigris et qui sont très vite aigris dans leur vie. Et ça passe par des mots comme « c'est pas mon truc, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi ». Mais à partir de quel âge ces mots, ces phrases assassines ont commencé à germer dans votre mental? Suite à quoi? Pourquoi? Et vous savez, moi je suis un pratico-pratique, je suis un entrepreneur à la base. Je suis un entrepreneur au grand cœur finalement. Mais c'est grâce à tout cela que j'ai réussi à créer des emplois et puis à aider plein de gens. En ce moment, vous payez quelque chose, vous? Ben, je suis en train de travailler là, mais gratuitement. Et c'est parce que justement, chez Globe, on est une entreprise de formation en coaching et de formation reconnue, notamment ici au Canada, agréé organisme de formation, qu'on a mis en place un système où on redonne à d'autres. Et que nous, notre façon, notre bouche à oreille, on l'obtient en donnant aux autres. Mais ça demande une psychologie, ça. Parce que vous croyez que les gens, dans mon enfance, ils ont été plus gentils avec moi qu'avec vous? Vous croyez que moi, j'ai jamais pris de grandes désillusions, de grandes déceptions? On m'a jamais trompé, vous croyez, moi? Mais comme vous. Mais comme tout le monde. Mais un, ça a suffi pour vous laisser à terre. Et deux, vous pensez que vous êtes les seuls ou la seule à qui c'est arrivé. Mais on est tous les mêmes êtres humains. Il y en a certains qui sont un peu plus cognitifs, qui émotifs, oui, bien sûr. T'en as des grands, des petits, des moyens, des ronds, des ronds. Oui, c'est vrai, oui. Mais on a tous ce kilo, ce même kilo dans la tête. C'est un cerveau, c'est entre 1300 et 1400 grammes. On a deux bras, deux jambes, etc. Sauf s'il y a eu une malformation ou un accident. Mais on se ressemble tous. Ce qui est rigolo parce que les gens se trouvent des points de différenciation et trouvent des raisons de se détester. Tu vois. Mais on est tous les mêmes. On se ressemble. Come on. Quand vous rentrez au Weekend Spark, vous dites « Ah putain, j'avais des inconnus dans une salle en noir. Oh my God. » C'est beaucoup de monde hein, quand même. La prochaine tournée 110, on sera 10 000 à Paris. Je n'ai pas dit 3 000, j'ai dit 10. On sera 10 000 à Paris. Et la salle est déjà bien amorcée. C'est à l'automne prochain à Paris, à Montréal et à Paris. C'est une journée. Une journée qu'on répartit sur toute l'après-midi, c'est à 8 heures. Et je vous assure que des gens qui rentrent dans nos événements disent « Oh my God, encore je vais tomber encore, on va chanter quoi ? Hare Krishna, Hare Krishna. » Il y en a certains qui, vraiment, ils ont vu des films sur les sectes, tu sais, des trucs. « Attention !» Et ça me fait rire, honnêtement, ça me fait rire. Mais je trouve ça amusant. Mignon. Mais moins mignon, c'est de voir leur peur des autres. Vous avez tous un côté en vous, vous êtes agoraphobe. L'agoraphobie, finalement, t'en as certains qui disent « je suis agoraphobe », la peur des autres, mais on l'est tous un petit peu, enfin, vous l'êtes tous un petit peu. Et je le vois quand vous rentrez dans nos événements, « bonjour, moi c'est Marc, bonjour, moi c'est Julie ». Mais il n'y a pas de contact, à part des gens très sociables, tu vois, on en voit dans nos médias sociaux, sur Facebook,
T'as des hommes et des femmes qui font des selfies sans arrêt. On le voit dans la communauté, notre page Facebook, Franck Nicolas, ou dans tous les groupes, t'en as qui communiquent naturellement. Alors, des fois, il y a un peu de marketing, se faire connaître, créer leur propre communauté. Il y a un peu de stratégie marketing. Mais tu les vois, ils aiment les autres. Ou alors, ils se forcent à aimer les autres. Et puis, ça vient petit à petit. Aller vers les autres. Mon autre conseil, c'est ne restez pas seul. C'est ça mon autre conseil, ne restez pas seul. Dans les moments de déprime, ne restez pas seul, allez vers les autres. Ce que je vois au Weekend Spark, et notamment le dimanche, vous le verrez à Paris les amis, dans cette immense salle, vous serez nombreux à Paris, vraiment nombreux. Ça va être huge, je peux vous dire que ça va être huge. Bah, le dimanche soir, vous direz Franck, est-ce que j'avais raison, je vous demanderai de lever la main. Et peut-être que vous aurez vu ce Sparkle Show, et puis on fera un test dans la salle. Mais croyez-moi, c'est pas en vous isolant que vous allez gérer votre problème. On se ressource seul. Ah, pour se ressourcer seul, ça fonctionne très bien. Se ressourcer seul, c'est formidable ça. Il y a des gens qui ont besoin de se ressourcer seul. Il y a des gens qui ont besoin d'être avec d'autres personnes pour se ressourcer. Là, il y a rien de négatif. Mais en revanche, vous êtes vraiment pas bien. Et vous avez l'habitude, parce qu'on a des extrêmes, de ne jamais vous plaindre. Il y a des gens qui disent, moi, quand je ne vais pas bien, notamment une amie qui est une artiste très connue, de calibre international, qui me dit, moi, quand je ne vais pas bien, elle ne m'appelle jamais. Et je sais que quand elle ne m'appelle pas, c'est qu'elle ne va pas. Et je dis, tu ne m'appelles pas? Non. Donc, ça n'allait pas bien? Bah, tu me connais. Il y a des gens qui ont peur d'emmerder les autres quand ils ne sont pas bien. C'est l'extrême de celui ou celle qui pleure sans arrêt, qui se plaint en permanence. Mais les deux extrêmes ne sont pas bonnes. Ne restez pas seul. Voilà mes amis, c'était Sparkle Show. J'espère que vous avez aimé cette émission « Comment casser la déprime ». Quelques exercices rapides que vous pouvez mettre en pratique. Et puis une nouvelle fois, si vous hésitez encore... Eh bien, en régulier, si vous prenez un billet, je vous offre le deuxième encore pendant quelques jours. À vous de voir si ça vous intéresse de vivre cette expérience qui va à vie rester ici et dans le cœur pour développer votre carrière, vos affaires, vos finances, vos relations et votre santé. Le dimanche matin, vous aurez ce chercheur incroyable qui a accepté de venir, Frédéric Salmann. voilà, je peux vous dire que c'est juste un cadeau que l'on a aujourd'hui dans le monde du leadership d'avoir cet homme dans notre événement. Merci encore, à bientôt. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.